Il est lundi matin. Il est 7h06 et aujourd'hui je vais à l'école. Aujourd'hui je fais 8h midi, 13h, 16h, sachant que mes cours cet après-midi, on ne sait pas trop encore parce que en fait c'est marqué qu'il n'y a aucune salle. Et en fait c'est des cours TETI, en gros c'est travaux d'équipe ou travaux individuels. Donc là je vais ouvrir les volets, je vais découvrir avec vous le temps qu'il fait. Il pleut à Vers, hein. Il a plu toute la nuit et là du coup ils annoncent de la pluie pendant bien 3 jours. Ordi G, parapluie G, O, G, ça, carte, métro, on va sortir. Le haut là qui est en dessous c'est un Berchem et franchement il commence vachement à suer. La veste avec la grosse ceinture comme ça vous m'avez grave demandé, en plus il y a des poches, elle est parfaite, c'est une Nike. Et ensuite en bas vous allez pas voir, mais j'ai un jean en simili cuir qui vient de chez Stradi qui taille hyper bien. Ce matin je suis allée en cours, il pleuvait, c'est vraiment pas beau et puis du coup ce temps humide ça rend vraiment une atmosphère, il faisait vraiment froid. Bonne nouvelle, cet après-midi du coup j'étais en travail autonomie en fait, donc ça veut dire que j'ai du travail à faire mais que je peux le faire de chez moi, d'où je veux, je suis pas obligée d'être au campus en fait. Donc grave cool, du coup j'avais ça de 13h à 16h, donc là je suis chez moi en fait. Bon, petite douche faite, j'ai les cheveux trempés. Je suis hyper contente parce que mes cheveux poussent super bien. Genre là, je le vois quand ils sont mouillés, que vraiment ils ont vraiment poussé quoi. Donc là, du coup, aujourd'hui et hier, j'étais à l'école. Du coup, mon emploi du temps change tout le temps pour ceux qui me demandaient comment ça se passait. Mon emploi du temps change toutes les semaines, donc j'ai jamais le même emploi du temps. Donc pour l'instant, tout va bien. J'ai eu ma date de soirée d'un thé. Et ce soir c'est cordon bleu haricot vert. Donc là il est quasi 21h, j'ai fini de manger et à 21h surtout quand j'ai le boulot le lendemain, j'essaie que ma vaisselle, tout soit fait. À 21h comme ça je peux aller me mettre dans mon lit tranquille. Ma vaisselle est faite, j'ai nettoyé mon plan de travail. Et là du coup ce que je vais faire, donc j'ai mis mon ordi, je vais regarder des vidéos et je dois repasser un haut que je vais mettre demain. On est jeudi. Alors on arrive à la fin de la semaine, c'est vraiment dur. Donc là il est 7h05. Et j'ai aussi préparé mes affaires de sport parce que j'aurais bien voulu aller au sport ce soir. Bon bah je vous ai dit que je voulais aller au sport ce soir, j'étais pleine d'ambition ce matin. Et en fait maintenant faut réserver des créneaux quand tu vas à la salle de sport et plus aucun créneau disponible pour ce soir. C'est pas grave, ce n'est qu'une partie remise, au moins je pourrais vraiment faire tout ce que je veux ce soir parce que j'avais énormément de choses à faire ce soir. Du coup demain il y a un menuisier qui vient pour remplacer ma porte-fenêtre qu'il y a dans mon appartement. Parce que du coup j'ai une grande porte-fenêtre qui donne sur le balcon. Et du coup quand j'ai pris l'appartement, le proprio m'a indiqué qu'il allait faire remplacer la porte-fenêtre. Une grosse journée demain je le sens. Bon comme tout nous passe jamais comme prévu, le menuisier est bienvenu, mon frère était là, il avait fait le déplacement pour qu'il y ait quelqu'un à l'appartement au moins et en fait il a commencé à enlever la porte-fenêtre, enfin, tout ce qui va avec, et en fait l'encadrement de la nouvelle porte-fenêtre ne passait pas ni dans mes escaliers ni dans l'ascenseur, donc du coup il n'a pas pu finir le travail qu'il devait faire et donc il a tout remis, il est parti. Donc écoutez, j'attends un nouveau rendez-vous avec le menuisier, je vous tiendrai informé, mais voilà, je n'ai toujours pas de nouvelle fenêtre. Bon bah là je suis au bureau, on est vendredi du coup il n'y a pas grand monde, genre là dans les bureaux je suis toute seule, mais il y a d'autres collègues à moi mais qui sont pas dans les mêmes bureaux. Il est 16h30, c'est bientôt le week-end.
aujourd'hui nouvelle semaine, on est lundi. Ce matin j'ai eu cours, j'ai pas cours cet après-midi, donc ça c'est grave bien. Autant on a des périodes d'autonomie où on peut rester chez soi, mais là j'ai vraiment pas cours quoi, donc grave bien. Et là je repars, je vais au sport, donc je vais pas manger, je vais juste prendre une banane, quelques amandes. Et ensuite en revenant, j'aimerais bien aller dans le centre faire quelques magasins pour voir, puisqu'on est lundi après-midi, donc j'espère qu'il y aura pas trop de monde. Petite tenue du jour, alors je sais archi pas comment m'habiller parce qu'il fait si froid, mais en même temps il y a du soleil quoi. Donc j'ai un petit pull, il vient de chez Monkey, je l'avais acheté sur Asos. J'ai une chemise en satin noir en dessous là, comme ça quand je suis arrivée ce matin j'ai enlevé mon pull parce qu'il faisait grave chaud en cours. Mon jean c'est un Bershka et j'avais mes Air Force One rose. Donc là du coup petite tenue de sport, mon legging c'est un Prodiz, je suis en partenariat avec eux en ce moment à long terme. Mon top la course c'est un Prodiz aussi et j'ai une brassière en dessous parce qu'on me voit vachement et je suis pas encore vraiment à l'aise à 100% là-dessus. Bon, j'ai été faire ma petite virée après ma séance de sport. Et donc du coup, je vais vous montrer. Alors tout d'abord, j'ai acheté un vase. C'était un truc de déco que je voulais acheter. Je voulais pas acheter d'autres décos parce que j'avais ce qu'il fallait et que mon appart est déjà meublé, etc. Mon frère a acheté des plumeaux. Il en a beaucoup. Du coup, il veut m'en passer. Et du coup, il fallait que j'achète le vase qui allait avec. Sauf que bah, c'est très compliqué de te rendre compte. Donc j'ai passé peut-être une heure à choisir un vase. En plus, il est super lourd. Je suis rentrée en métro. J'en ai trop marre. Donc du coup, voilà le vase que j'ai acheté. Il est quand même assez grand, je trouve. Je l'ai payé. Il était à 29,99€. Et ensuite j'étais à Zara. Bon elle est connue hein, j'ai vu beaucoup de gens avec. Donc c'est une veste sans manche, j'ai pas de veste sans manche. Je me dis que c'est pour mi-saison, c'est parfait. Donc voilà je l'ai pris en S, elle est en beige. Elle est en 6 mm cuir et je l'ai payé 49,95€. Donc moi en fait je l'avais repérée en noir de base. Donc je la trouvais hyper belle en noir et j'ai dû peut-être croiser une dizaine de nanas avec depuis que je l'ai vue. Donc je me dis au moins en beige et en plus en noir je la trouvais plus, enfin elle y était encore mais il y avait plus ma taille. Bon ce vlog n'est pas terminé, mais pour le clôturer je vais vous emmener avec moi aujourd'hui dans ma journée. On est samedi et ça fait plusieurs week-ends où j'ai des trucs de prévu, donc je me retrouve jamais seule chez moi. J'ai rien de prévu, j'ai pas de rendez-vous quoi, mais je vais prévoir des choses dans ma journée. Donc là il est 9h, regardez-moi ça. Bon, je pense qu'il doit faire un peu froid. Donc du coup mon programme de ce matin, donc là je vais déjeuner et à 9h59 précisément, à 10h je pars, je vais prendre mon bus et je vais au sport. J'ai prévu d'aller au sport de à peu près 10h à 11h, 11h30 et après du coup vu que mon arrêt de bus est pas très loin du casino où je vais faire mes courses, je vais aller faire mes courses, j'ai emmené mon sac de courses. Je vais faire une pierre deux coups, ça évitera que je revienne. Et puis on verra cet après-midi. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Vous voulez savoir la détail que je me suis tapée? Donc là j'étais toute préparée. Ah oui, et ça c'est nouveau, mais je vous montrerai dans l'appartement de tour. Donc j'avais réservé la salle, parce que maintenant il faut réserver. Enfin, je sais pas si c'est dans toutes les salles comme ça, mais à Basic Fit c'est comme ça. Et en fait sur le chemin, je me rends compte que j'ai pas ma carte bleue. Alors que je comptais aller faire des courses après. Du coup j'ai dit tant pis, donc du coup j'ai annulé ma réservation sur l'application. J'ai regardé s'il y en avait d'autres et la plus proche c'est midi, donc c'est pas grave, j'irai entre midi et 2. Donc là j'ai réservé, je vais partir plus tôt pour prendre mon bus cette fois-ci parce que là je me suis tapé une déterre, j'ai trop chaud. Là j'attends un colis, bon tant pis je vais pas rester ici toute l'après-midi parce que je sens qu'ils vont me saouler encore. J'ai mis ce truc là manche longue, vraiment très sportif, il vient de chez Lidl. Franchement il y a des trucs pour les affaires de sport à Lidl, c'est vraiment pas mal. Donc moi j'ai acheté ça parce que même sans faire de sport c'est grave bien d'avoir un peu un sous-pull comme ça long. En dessous j'ai une brassière Nike, je l'adore. Et leggings noirs Nike, pareil assez chaud, donc voilà. Après j'ai une veste là comme ça qui vient de chez Primark, ça fait un moment que je l'ai mais elle est vraiment trop bien. J'ai reçu mon colis, là je vais le chercher, je suis trop contente, au moins je l'aurais pas loupé aujourd'hui. J'ai eu de la chance, comme vous l'avez vu j'ai récupéré mon colis, voilà. Donc je vais ouvrir avec vous. À la voix. Donc il y a de la bouffe et des vêtements, donc c'est de la marque Prozis. Je suis pas censée le faire sur YouTube mais je vais vous montrer quand même. Du popcorn au caramel sans gluten. Il y a des sticks de chorizo protéinés. On est sur des chips fromage oignon. Ah oui, j'avais pris ça. Donc c'est une gourde parce que quand je vais au sport, j'ai ma gourde là, celle que j'ai pour les cours et tout. Et c'est vrai qu'au sport, celle que j'avais pas pratique. Et ensuite on passe du coup sur les vêtements. Donc là c'est un leggings vert. Vraiment j'adore. Je vous jure d'avoir des beaux vêtements de sport. C'est un investissement mais comment c'est grave motivant. Voilà, brassière toute simple. J'espère que ça sera pas trop transparent. Et ensuite on est sur le top. Mais en fait il est fluo. Et encore je crois que vous le voyez pas aussi fluo que moi. Voilà, franchement les matières sont hyper hyper agréables.
je viens de rentrer du sport et je suis KO. J'ai envie de faire un petit retour de course. J'ai l'impression que je fais que ça dans les vlogs. Il est 3h30, j'ai toujours pas mangé. D'ailleurs les gars, on m'a repéré pour faire les géritours. Donc apparemment c'est un gros truc de mannequinat et tout machin. Et en fait il y a une personne qui a repéré mon profil et qui veut que je participe. Mais vous me voyez faire du mannequinat, pas du tout mon domaine. Donc bref, j'ai pris une baguette, ça je l'ai pris vraiment au dernier moment. J'ai pris des pommes, les rouges c'est mes préférées, j'espère qu'elles sont bonnes. J'ai pris des lasagnes comme ça, parce que j'ai envie de faire des lasagnes maison en fait. Je me suis lancée dans un truc, j'ai envie de me faire des lasagnes maison. Ensuite j'ai pris ça, alors j'ai jamais testé, c'est de la marque Lustucru, Bonsai Noodle. Écoutez, je vais tester, c'était pareil en promo. Donc c'est rapide à faire, je me dis si un jour j'ai une flemme ou quoi, donc je testerai. J'ai pris deux sachets de riz, parce qu'en fait bah, je vous avais expliqué sur mon application, t'as des offres. Et en fonction des offres que tu fais, tu cagnottes. Et là du coup c'était le deuxième sachet à moins 68%, un truc comme ça, parce que bah ça sert toujours le riz, donc, et ça part hyper vite. J'ai pris des cordons bleus, alors je comptais pas du tout en prendre, mais vu qu'ils étaient en promo avec les zéro gaspille, je peux les manger jusqu'à demain, donc il y en a deux, je vais me faire ça ce soir et demain, ça ira très bien. Ensuite j'ai pris des conserves parce que c'est toujours utile d'en avoir, donc là j'ai pris petits pois et carottes, 82 centimes en plus les conserves, franchement quand vous êtes étudiant les conserves c'est grave le bon plan parce que ça coûte pas cher et ça se conserve hyper bien et puis c'est bon quoi. Je pense qu'on est sur une fin de vlog. Faut que je monte cette vidéo et que je vous la poste pour demain, ça va être chaud. Alors, pour cette recette, vous aurez besoin de, bah, d'une fin de lait. Donc on va mettre un œuf et il faut du sucre. Voilà, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux qui sont en bas d'info. Et puis je vous fais des gros bisous. Premiumbeat.com.